Paul Cézanne l'avait bien compris. La montagne Sainte-Victoire capte la lumière et sa couleur change toutes les heures. Pour peindre la montagne, il s'installait ici, dans un petit cabanon qu'il a loué pendant les 10 dernières années de sa vie. C'est ici, à l'intérieur de ce bastidon, qu'il laissait son matériel de peintre, ses tubes, ses palettes, ses chevalets. Et vous pouvez imaginer qu'il posait son chevalet ici pour peindre son motif de prédilection. On est dans des couleurs complémentaires. On a les rouges des rochers, on a le bleu et le vert des arbres. Et c'est effectivement par ces vibrations de couleurs que Cézanne cherche à rendre la perspective.